like you ever felt. Are you listening? Damn. Bonjour les filles. Aujourd'hui, c'est Micoline qui vous parle. Non, on va pas faire Micoline aujourd'hui quand même. On va pas faire Micoline. Vous savez, Micoline. Non, sans déconner. Attends, mets bien le micro. Ouh là là. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto que fâche. Alors, vu que vous avez bien aimé mon accent de la dernière fois, eh bien, j'ai décidé de me faire un autre accent. Mais alors, lequel, je ne sais pas. Alors, en gros, aujourd'hui, on va faire des boucles. En tout cas, on va essayer. Donc, c'est tout simple. On va mettre, faire une queue de cheval. Une queue du cheval. Comme ça. Oui, aujourd'hui, en plus, on m'a dit que j'étais barrée. Alors, franchement, je ne vous remercie pas. C'est une insulte que je n'aime pas. Moi, je suis pas fralée, quoi. Je suis pas toquée, je suis pas tout ça. Donc, ça ne va pas. Alors, sur mes cheveux, j'ai mis un épaississant parce que sinon, ça n'ira pas. Je vais faire que deux tours parce que sinon, je vais coincer mes cheveux. Et pour retirer, pour les boucles, ce sera pas bon. Alors, on a fait une queue. Bon, excusez-moi, hein, parce que là, je pète un câble. Parce que je vous raconte pas. Hein. J'ai voulu filmer, mais il n'y avait plus de batterie. Donc, je change la batterie parce que j'en ai deux. J'en ai acheté une sur AliExpress. Donc, vu que l'autre était chargée, j'ai été retirer l'autre déchargée pour mettre la déchargée à la place. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir perdu la batterie que je venais de retirer hein, du chargeur. Et pas moyen de... Alors, logis à maison, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, la batterie était tombée par terre, que je l'avais pas vu qu'elle était tombée par... Enfin, bref, tu vois le truc? Tu comprends le coup? Ou je t'explique? Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre des mèches. Des mèches. Alors, regarde bien. On prend une mèche comme ça. Comme ça. On arrive, on prend deux doigts. Deux, comme ça. On prend deux doigts. Viens enrouler. Et tu mets une pince. Voilà, comme ça. Hein, tu vois? Tu comprends le coup? Je t'explique. Tu prends une deuxième mèche. Ça prend 5 minutes à faire tout ça, mais bon, vu que j'ai parlé pendant 3 minutes, tu prends un doigt. Tu enroules. Et tu mets 3 times et tu mets une pince. Là. Comme ça. Tu reprends une mèche. Ce coup-ci, tu prends 2 fingers. 2. Et 2. Et tu mets une pince. Alors, faut avoir le stock de pinces. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord. Tu reprends une mèche avec one finger. Tu fais roule, 3 times. Et tu mets une pince. Voilà, comme ça. Hein? Tu reprends une mèche avec 2 fingers. Tu roules. À 3 times, tu mets une pince. Et en gros, ce qui te reste, il me reste 3 pinces. Donc ça va, on est dans le bon. Tu reprends ta mèche. Tu prends one finger. Tu roules. Rolling. Et tu mets. Tu mets quoi? Une pince. Voilà. Et là, une base de pinces et une grosse mèche. Donc, je vais couper en deux. Et vu qu'il y a two fingers, je fais two fingers, touk. Yeah! Et je mets one pince. Hop.
Ensuite, la dernière. Tu mets combien de fingers? Un ou deux? One. One finger. Tu roules. Roule et roule encore. Ta-da-da. Et tu mets one pins. Bon, une fois que tu as fait ça, bon, tu as bien l'air con, hein, parce que... Ne nous cachons pas. Ensuite, vu que je dois finir le studio indestructible vapeau fixateur, donc en gros, je vais en mettre sur toutes les boucles. Comme ça, ça fixera les boucles. Enfin, ça fixera ce que j'ai à fixer en fait. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, bon, là j'en mets la dose quand même, hein, histoire que ça fixe quand même quelque chose. Parce qu'en plus, je dois le finir. Alors, en gros, ce qu'on fait maintenant, c'est que tout simplement, je vais me maquiller et je reviendrai quand je serai terminé pour voir si c'est sec. Parce qu'en fait, même si c'est pas sec, j'essaierai de déballer quand même. Mais je pense que ce sera bon. Donc voilà, vous avez bien compris que là je pète un câble, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en vrai c'est censé vous faire des boucles merveilleuses. J'ai vu ça sur la chaîne d'une américaine et je veux voir si ça fait pareil sur moi. Parce qu'en général ça fait jamais pareil sur moi. Donc voilà, et bon bah du coup là je vais en profiter certainement pour faire le make-up pour les yeux bleus. Mais j'ai les yeux marrons, mais c'est pas grave, ça vous ira quand même si vous avez les yeux bleus. C'est pour juste pour vous montrer. Après, la chance des iris marron, c'est qu'elles peuvent tout porter, tout leur va. Et toc. Donc non, sans rire, je vais revenir après. Étant donné que le maquillage va me prendre peut-être 20 minutes, une demi-heure pour filmer. Donc au final, je reviendrai dans 20 minutes, une demi-heure. Si c'est vraiment pas sec, je passerai un coup de chaleur dessus. Mais à la base, c'est comme être du dos sans chaleur. Hein. Donc, oui, parce que j'ai oublié de le préciser. Et vu qu'aujourd'hui, je suis pas tout à fait nette, j'ai du mal à m'exprimer et à faire une vidéo correcte. Tu comprends le coup? Bon. Et sinon, à part ça, j'avais quand même un message à adresser à Manu. Et Aline, que j'adore, c'est de très très bons amis, parce qu'ils sont fans inconditionnels de ma chaîne, hein, donc s'ils regardent cette vidéo, j'ai un message à leur passer, enfin nous avons un message à leur passer, parce qu'on n'est pas tout seul à la maison, hein, on est plusieurs, hein. Donc Manu, je voulais te dire, ouh, j'ai peur. N'aie pas peur, Jacqueline. Donc voilà, c'était pour aller dans le fond de l'idée du truc de complètement débile. Alors, toutes mes abonnées ne comprendront pas. Il faudrait que je vous explique pour que vous compreniez, mais ce serait trop long à expliquer. Donc, n'essayez même pas de comprendre, c'est juste un délire avec, voilà, ces personnes-là que j'aime d'infini passion. Donc voilà, on revient tout de suite hein, pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hein. Ah, d'accord, allez, à tout de suite. Donc me revoici après le maquillage, donc je vais retirer les pinces, hein. De toute façon ne gardons pas le secret plus longtemps. Alors est-ce que ça va avoir fait quelque chose de beau? Parce que c'est pas le tout, mais pourquoi moi ça fait pas comme dans les pubs? Hop. Non, franchement c'est merdique comme astuce. Donc je ne le vous conseille pas, c'est une astuce merde. Merdique. Hein? Tout clairement. Parce qu'en plus, c'est pas sec. Donc voilà, je retire. En théorie, elle retirait son chouchou. Ça faisait quelque chose de magique. De magiquement bien curlé, quoi. Et moi, pas du tout. Ouais, si, t'as des ondulations, mais c'est tout, quoi. Ou alors... J'ai pas laissé sécher assez longtemps. Voilà quoi, ça donne ça. Non, ouais non, franchement, je ne valide pas, même si, de toute façon, j'ai encore les cheveux mouillés. Donc, je pense qu'il y a de ça aussi, j'ai pas laissé de toute façon assez longtemps. Donc voilà, astuce pas validée du tout. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé. Si c'est parce que justement j'ai pas laissé du tout assez longtemps
et que vous me conseillez de procéder autrement. Donc voilà, je vous laisse. Pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao. Are you listening? Damn.